إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد donc aujourd'hui c'est le cours numéro 8 dans le livre تأكيد المسلمات السلفية. Et donc on continue au point où on était arrivé. Le cheikh Abdelaziz Al-Raif, la semaine passée, on a expliqué qu'il a montré certaines erreurs, certains problèmes dans la fatwa que les gens ont fait dans leur fatwa au sujet des Asha'ira. Il a mentionné 10 points au sujet de la fatwa qui sont incorrects ou erronés. Et après avoir mentionné ces 10 points, il donne deux points importants. Hein, il mentionne deux points importants pour clarifier certaines choses par rapport à la fatwa. Ok? Le premier point, c'est un détail, mais c'est très important. شيخ التنبيه الأول ما تقدم ذكره في الأشاعرة يدخل فيهم الماتريدية من باب أولى لأنهم أسوأ منهم في الاعتقاد. Donc le premier point que le cheikh mentionne, وعليكم السلام ورحمة الله, le premier point que le cheikh mentionne c'est que lorsqu'on a mentionné les أشاعرة, eh bien, on peut inclure là-dedans les maturidiyas. Pourquoi on peut mentionner les maturidiyas? Parce qu'ils ont presque la même aqidah. Et ils rentrent encore plus dans la critique au sujet des Asha'ira, parce que la aqidah des maturidiyas est pire encore que celle des Asha'ira. D'accord? Sur certains points. Donc c'est pour ça que quand on parle des Asha'ira, automatiquement vous dites ça inclut les maturidiyas. Tout de suite. Et juste pour vous donner quelques exemples par rapport à qui sont les Asha'ira aujourd'hui ou qui sont les Maturidiyya, ben la plupart les Ahbash, on sait que ce sont des Asha'ira, ou bien ils prétendent suivre le madhab des Asha'ira et ils prétendent être Ahl al-Sunnah wal-Jama'a à cause de ça. Maturidiyya, aussi parmi les Asha'ira vous trouvez la plupart des shuyukh de Al-Azhar. Et la plupart des pays du Maghreb, hein, et également, en tout cas de plusieurs pays dans le monde musulman, ils enseignent la aqidah des Asha'ira. Et le fondateur des Ikhwan al-Muslimin, Hassan al-Banna, il suivait cette aqidah aussi. Donc, beaucoup parmi les Asha'ira suivent cette aqidah aujourd'hui. Beaucoup parmi les Ikhwan aussi suivent cette aqidah. Même si c'est pas nécessaire qu'ils soient Asha'ira pour faire partie du groupe. Parce que les Ikhwan, c'est un parti politique. Donc c'est pas nécessaire pour faire partie de ce groupe d'avoir une aqida particulière. Tu peux être même, soufi, chi'i, ash'ari, maturidi, murji, khariji, n'importe quoi. C'est pas grave pour eux. Tant que tu restes dans les limites du parti. C'est comme par exemple si quelqu'un veut faire partie du parti ici, il y a des partis politiques comme par exemple le Parti québécois ou le Parti libéral. Si quelqu'un veut faire partie libéral, ils vont l'accepter, même s'il est hindou, bouddhiste, juif, chrétien, athée. C'est pas important pour eux, tant que tu restes dans les limites que le parti a établies. Eh bien les Ikhwan c'est la même chose.
Hein, tant que tu restes dans les limites que le parti a établi, tu es accepté dans le parti. Peu importe les différences que tu peux avoir dans ton manhaj, dans ta aqidah. D'accord? Donc c'est pour ça qu'ils n'ont pas nécessairement une aqidah, sauf qu'on trouve parmi eux des gens qui ont cette aqidah, même parmi les fondateurs de cette secte. Et les chefs qui ont pris en charge le groupe, après Hassan al-Banna, la plupart d'entre eux aussi, c'est des gens qui font partie de cette catégorie-là. Hein, comme Al-Hudaybi, puis l'autre après, que j'ai oublié leur nom là, mais il y en a eu plusieurs après qui ont été ceux qu'ils appellent Al-Murshid Al-Am, l'orienteur ou le guide spirituel du groupe, qui ont eu cette aqidah. qui d'autre encore? Le groupe qu'on appelle les Diobandiyah. Diobandiyah, c'est une école en Inde, ok, qui ont comme aqidah la aqidah maturidiyah dans la aqidah et dans l'asma wa sifat. Et qui font partie de cette école, parmi les diobandiyah, qui font partie de cette école? Pardon? Tablir, naam, hein, Mohamed Elias, le Kandahlawi, qui est le fondateur des Tablir. Et qui d'autre encore? Taliban. Taliban aussi sont des diobandiyah. Et ils viennent de la même école que Mohamed Elias, sauf qu'ils ont une autre différente manhaj, mais c'est la même aqidah, hein. Et parmi leur aqidah, il y a aussi al-ghulu fi as-salihin, l'istirathatu bil amwat, tout ça, d'invoquer les morts et des trucs de ce genre. Et aussi parfois, ils les appellent, parfois les diobandiyah en Inde, ils se font appeler wahhabiyah. Hein, ça c'est étonnant, hein. Pourquoi on les appelle wahhabiyah? Parce qu'ils n'acceptent pas le mawlid al-Nabawi. Hein? Ils n'acceptent pas le mawlid al-Nabawi. Donc beaucoup de gens pensent que parce qu'ils ont cette position-là par rapport à le mawlid al-Nabawi, qu'ils sont des wahhabiyah. Alors qu'en réalité, non. Parce que leur aqidah, ce n'est pas la aqidah des salaf, dans l'asma al-sifat et dans beaucoup d'autres questions. Sauf que sur ce point-là, ils ont été, disons, en accord avec le bon manhaj sur la question du mawlid. Ils n'ont pas accepté ça. Mais le reste, c'est la même chose que les autres parmi les autres Moutadiens. Donc il faut faire attention là-dessus aussi. Puis, il y a beaucoup d'autres groupes aussi qui ont cette aqidah. C'est juste qu'il faut faire attention, yani. Parce que, justement, pourquoi ils n'en parlent pas? Vous allez avec Tablir, ils ne vont jamais mentionner Maturidiyah. Ils ne vont jamais mentionner Asha'ira. Vous allez avec les Ikhwan, ils ne vont jamais parler de ces questions-là. Hein, ils vont mentionner Tawhid en général, ils vont mentionner de questions générales, mais ils vont jamais rentrer dans les détails pour expliquer qu'est-ce que ça veut dire, les différences entre ces groupes-là. Hein. Même vous entendez certains parmi eux qui disent tous les musulmans sont d'accord sur le Tawhid, ou tous les savants de l'islam sont d'accord sur le Tawhid. Alors qu'en réalité, il y a des différences entre ces sectes-là, hein, entre les Mu'tazila, entre les Jahmiyyah, entre les Soufis, entre les Asha'ira et les Maturidiyah, ils ont des grandes divergences par rapport aux Salaf dans le Tawhid. Donc pourquoi ils font semblant qu'il n'y a pas de divergence et que tout le monde est uni là-dessus? C'est parce que justement, ils veulent soi-disant appeler le plus de monde à entrer avec eux et oublier les différences. Bon, donc ça nous aide à comprendre un petit peu pour que les gens ne pensent pas qu'on parle de sectes qui sont mortes depuis des siècles et qui n'existent plus aujourd'hui. Non, ces idées-là et ces croyances-là, elles existent encore aujourd'hui, elles sont enseignées, il y a des gens qui appellent à ces idées-là et qui combattent la sunna et le tawhid en se basant sur ces bid'as-là. Donc c'est très important de faire attention. Et eux, ils essaient de se montrer neutres par rapport à l'aqidah, et ils disent non, nous on n'est pas une secte, hein, des gens qui sommes des musulmans, on ne distingue pas entre soufis, chiites, ash'ari, tout ça, on est tous musulmans, on ne dit pas le nom, on ne dit pas quel nom ou à quel groupe on appartient, on dit juste musulmans. Et ça c'est une manière de camoufler en fait leur appartenance au groupe de bid'ah, hein. Tandis que ceux qui disent clairement, non, nous sommes salafis, ceux-là disent, ah, regardez, c'est là, ils disent un autre nom que musulmans, donc ça dit qu'ils sont une secte. Hein? Pourtant, quand tu retournes dans leur groupe, ils disent, ouais, on est des soufis, on est des ash'ara, on est ci, on est ça, hein.
Et donc c'est une manière qu'ils camouflent hein, pour faire croire aux gens qu'ils sont neutres par rapport à tout, mais en réalité, bien entendu, ils cachent leur position réelle. Donc ça c'est pour le premier point. Le deuxième point, التنبيه الثاني. رأيت كلاما مكتوبا قبل أشهر للشيخ عبد الله الغنيمان يجدد فيه فتواه هذه وللأسف لما أراد التدليل عليها استدل بخلاف الصحابة في صلاة العصر عند بني قريظة لما أمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك وهذا ما لا يصلح الاستدلال به لأنه من المسائل الفقهية التي يسوغ الخلاف فيها أما ما نحن بصدده وهو خلاف أهل السنة والجماعة خلاف أهل السنة مع الأشاعرة فهو من المسائل العقدية التي لا يسوغ الخلاف فيها. Donc, le cheikh dit que, il a dit que de, quelques mois auparavant, il a lu une fatwa de Abdullah al-Ghunayman, un des chouyours qui a signé cette fatwa par rapport au Asha'ira. Donc, il dit qu'il a vu une fatwa écrite de la main du cheikh Abdullah al-Ghunayman et il renouvelait. Disons, il reconfirmait cette fatwa qu'il avait fait au sujet des Asha'ira et il essayait d'utiliser comme preuve ou comme argument pour supporter cette fatwa la divergence qui est arrivée entre les Sahaba au sujet de la prière de Asr lorsqu'ils sont partis rejoindre le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Bani Qurayza. Okay. Alors le cheikh il dit que ça c'est pas une preuve qui est valable pour essayer de défendre cette interprétation ou bien cette excuse-là par rapport à la divergence entre les Asha'ira et la divergence avec les Salaf. Pourquoi? Parce que la question de la prière de Asr à Bani Qurayza, ça fait partie des questions d'Ijtihad qui ont rapport avec les règles de fiqh et qui n'ont rien à voir avec les fondements de l'aqidah. D'accord? Donc, d'essayer de faire un qiyas, une analogie entre cette question et la question de la divergence au sujet des noms et des attributs d'Allah dans les fondements, eh bien, il n'y a pas aucun lien entre les deux. Et donc, le cheikh explique, il dit que ce qu'on a expliqué, nous, c'est pour montrer que la divergence qui existe entre Ahl-Sunnah wal-Jama'a et les Asha'ira, ça fait partie des questions qui ont rapport avec l'aqida, hein. Et donc, on n'a pas le droit de diverger dans ces questions-là. Et ça, c'est important de comprendre, parce qu'il y en a des gens qui jouent là-dessus et qui vivent, à chaque fois qu'ils parlent de quelque chose, « Ah, les savants ont divergé sur ce sujet-là. » Comme si le fait que les savants aient divergé sur une question, c'est une preuve pour justifier que tu peux prendre la position qui te plaît ou la position qui est le plus en accord avec tes désirs et tes passions. Et ça c'est incorrect, c'est une mauvaise compréhension si tu comprends comme ça. Parce qu'Allah, il ne dit pas prenez la position qui vous plaît lorsqu'il y a une divergence. Hein? Il dit فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. Si vous divergez en quoi que ce soit, ramenez-le à Allah au jour dernier, si vous croyez vraiment en Allah et au jour dernier. Donc, c'est pas à n'importe qui comme si de dire, ah, il y a une divergence, donc on peut prendre la position qu'on veut. Et c'est pas dans toutes les divergences qu'on peut, c'est pas toutes les divergences qu'on peut accepter non plus. Il y a des divergences dans lesquelles la divergence est permise, hein, et il y a d'autres questions dans lesquelles la divergence est interdite. Et de dire que depuis qu'il y a une divergence, ah, les savants ont divergé, que c'est permis, non. C'est pas une excuse, c'est pas vrai que de penser que depuis que les savants ont divergé, ça y est, tu peux prendre la position que tu veux et que c'est correct et que c'est permis. Non, il y a des divergences, surtout dans les questions de aqida, dans les fondements, comme les noms et les attributs d'Allah, on n'a pas le droit, c'est interdit pour les musulmans de diverger. Pourquoi? Parce que les salafs étaient tous d'accord et unis sur ça. Donc comment tout peut venir après les sahaba et diverger? Ça c'est impossible en fait, c'est une contradiction. Comment eux étaient tous d'accord sur une chose, puis toi tu arrives par la suite, tu trouves un moyen de diverger sur quelque chose,
au sujet duquel eux ils étaient tous unis. Il y a un problème là-dedans. Donc c'est soit qu'il y en a un qui a raison puis l'autre qui a tort, ou bien il y a un problème, il y a une contradiction sinon. Et donc c'est ça que le cheikh va expliquer maintenant pour clarifier cette question-là. Hein, clarifier cette question-là pour que les gens comprennent un peu mieux comment on agit lorsqu'il y a des divergences et dans quelle divergence on peut dire que oui, il y a possibilité de diverger dans ces questions-là et dans l'autre question ou dans d'autres points qui ont rapport à aux divergences que non, on n'a pas le droit de diverger et que dans ces divergences-là, celui qui diverge, eh bien, il y en a un qui est bien guidé et l'autre qui est égaré. Hein? Parce qu'il y en a des divergences, qu'il y en a un qui fait une erreur, puis l'autre qui est sur la bonne position. Mais on ne va pas dire qu'il est nécessairement égaré. Tandis qu'il y a une autre catégorie de divergence, soit que tu es guidé, soit que tu es égaré. Hein? Et ça, c'est ça la différence en réalité entre les questions de divergence et les questions d'ijtihad. Et il y a beaucoup de monde qui ne font pas la distinction entre les questions de divergence et les questions d'ijtihad. Je vous donne un exemple très clair, inshallah, vous allez comprendre. Il y a entre nous, les musulmans et les chrétiens, des divergences, n'est-ce pas? Bon. Est-ce que cette divergence-là, c'est-à-dire on a le choix de choisir n'importe quelle des deux positions? Non. Parce qu'il y en a une des positions, ou une de ces deux positions-là, parmi la position des chrétiens et des musulmans, il y en a une que c'est la vérité et l'autre que c'est le mensonge. Il y en a une que c'est le haq, l'autre c'est le ba'atil. Il y en a une que c'est le huda, l'autre c'est le balal. Donc il n'y a pas de possibilité de diverger. C'est une divergence, oui, hein, mais c'est une divergence entre les musulmans et les kuffars. Et donc ça, c'est même pas calculé dans des questions pareilles. Donc ça nous donne déjà un point en partant pour comprendre un petit peu comment il peut y avoir des divergences, mais c'est même pas calculé comme étant une divergence, puisque ceux qui divergent avec nous ne font pas partie de nous. Parce que sinon il y a plein de religions dans le monde qui divergent avec nous. Hein. Ensuite, il y a des divergences entre nous et différents, entre nous les salafis et différents groupes de bid'ah. Sur différentes questions sur lesquelles les salafis étaient tous d'accord. En ces questions-là, la même chose, on n'a pas le droit de diverger sur ça, parce que les Sahaba, ils étaient tous réunis là-dessus. Et de diverger par la suite, c'est un signe d'égarement. Par exemple, les Sahaba ont tous été d'accord pour dire que les Khulafa, c'est Abu Bakr, Omar et Uthman, les premiers. Et il y en a qui sont venus et qui ont divergé, puis qui ont dit non, c'est Ali le premier. Et qui ont dit que ceux qui ont dit que c'était Abu Bakr, Omar et Uthman sont des kuffars. Cette divergence-là, elle ne compte pas. Ceux qui ont dit ça, ils ont contredit le consensus des musulmans, hein, et les jumas. Donc, pardon, c'est-à-dire Ali, oui, en tant que quatrième, sauf que ceux qui disent non, il est le premier, et que les trois premiers khulafa ne sont pas des musulmans, sont des kuffars, comme les rafidah, ceux qui disent ça, eh ben, leur divergence ne compte pas. Et ils ne sont pas calculés. Hein, et si, par exemple, ils divergent sur une question avec nous les musulmans, eh bien on ne va pas dire qu'il y a une divergence entre les musulmans par rapport à eux. Hein. C'est pour ça qu'une fois j'étais dans un magasin, puis on avait eu une petite discussion avec un musulman, puis un chrétien, puis un chien. Et là, ouais, c'est ça. Ben, je suis rentré. Là, c'est un magasin. On est rentré pour acheter quelque chose. Le propriétaire, c'est un rafidi. Le caissier, c'est un chrétien arabe. Puis, il y avait un frère qui était là pour acheter, qui était un musulman, qui est sunni. Et donc, le frère qui était musulman, qui dit au chrétien qui est à la caisse, hein, qui ne savait pas que c'était pas un musulman, pensait que c'était un musulman, mais c'était un chrétien, et il lui dit en parlant de moi, c'est un converti à l'islam. Et lui, le chrétien, ça lui dérange pas, on voit, il veut rien savoir. Au contraire, ça le réjouit pas que je sois converti à l'islam. Donc, lui, il répond en voulant dire, ah, moi, ça m'est égal, tu vois. Et là, moi, je lui ai répondu pour lui faire comprendre que
j'ai quitté le christianisme parce que c'est la religion, une fausse religion qui enseigne l'adoration des hommes au lieu de l'adoration du Créateur. Hein. L'adoration de la créature au lieu de l'adoration du Créateur. Et qu'il ne faut pas adorer d'autres que Allah subhanahu wa ta'ala. Seulement Allah et non pas Jésus ou Marie ou d'autres. Alors lui, il a vu qu'il était pris au piège. Alors, parce que son patron c'est un musulman. Et nous on est deux. Moi j'étais un chrétien, avant je suis devenu musulman et l'autre c'est un musulman. Donc là il est pris au piège. Alors il a utilisé une ruse incroyable. Il a dit lui, mon patron c'est un musulman, soi-disant il est musulman mais il est chien. Et l'autre il sonne. Alors il dit ok d'accord. Moi je vais devenir musulman quand vous, les musulmans, vous allez être unis. Parce que il y a les chiens qui disent quelque chose et vous dites quelque chose, hein. Donc c'est lequel des deux qui est vrai? Et il y a les musulmans parmi les musulmans qui entendent ça et qui disent ah c'est vrai, il faut s'unir avec les chiens parce que sinon comment ils vont voir que l'islam c'est la vérité? Donc il faut pas parler des divergences entre les rafidois et les ahl-sunna, hein. C'est parce qu'ils n'ont pas compris le fondement et les principes sur lesquels les chiens ont divergé avec nous. Ils pensent que c'est des questions de fiqh, comme les madahib, les quatre madahib de Shafi'i, Hanbali, Hanafi et Maliki. Non, c'est des fondements, c'est des divergences dans les bases, dans les fondements. Donc moi je lui ai répondu, je lui ai dit écoute, si tu veux savoir la vérité, ceux qui ont divergé, c'est les gens qui ont dévié du droit chemin. Mais ceux qui ont suivi la sunna ne se divisent pas. Hein? C'est qui est-ce qui se divise? C'est les gens de bid'a qui se divisent. Mais les gens qui s'accrochent à la sunna et au Coran ne se divisent pas eux. Peu importe où ils sont, à quelle époque ils sont, ils ont tous la même aqidah, la même compréhension, le même manhaj. Qui est-ce qui se divise? C'est les gens qui ont amené des innovations dans la religion, qui ont changé le message de l'islam. Hein? Et donc moi je lui ai expliqué comme ça. J'ai dit, les gens qui sont sur le Coran et la Sunna, eux, ils ne se divisent pas. Ceux qui se sont divisés, c'est ceux qui ont changé la religion, qui ont dévié de la religion. Et là, le chéri, quand il a entendu que j'ai répondu ça, là, il s'est mis en colère. Et puis là, il m'a chassé de son magasin. Donc, c'est pour vous dire. Mais l'autre, le chrétien, il a réussi son ruse, la ruse, là, hein, pour essayer de créer la fitna, oui. Mais bon, alhamdulillah, la fitna, elle est là, hein, on peut pas s'en échapper. Mais alhamdulillah. Bon, c'est juste pour dire que, il y a des divergences, et c'est pas toutes les divergences qui sont acceptées. Toutefois, par exemple, si par exemple un musulman, il a une divergence au sujet de, par exemple, supposons, il y en a un qui dit, par exemple, que celui qui abandonne la prière, il est kafir. Et l'autre, il se base sur le hadith qui dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, bayna rajul wal kufr wa shirk tarku salah. Et l'autre, il se base sur la position des ulama qui disent non, ça c'est kufr duna kufr. Et il explique ça en se basant sur d'autres adillah qui montrent que il y a d'autres péchés qui sont mentionnés et qu'on appelle kufr et toutefois, ça ne fait pas sortir de la religion. Donc, ils font une interprétation par rapport à d'autres textes. Ils ne se basent pas sur des passions, sur des désirs, hein, sur l'hawa, non. Ils se basent sur des textes du Coran et de la Sunna, et c'est des positions établies par des grands imams, des grands ulama d'Ahle Sunna naturellement depuis des siècles. Hein. Le Jumhur, la grande majorité des ulama d'Ahle Sunna disent que celui qui abandonne la prière, il n'est pas kafir. Hein? Tandis que, il y en a parmi les ulama, les salafs qui ont dit oui, il est kafir, si elle abandonne la prière complètement, même s'il reconnaît son obligation. Tandis que les autres, ils ont dit non, s'il ne reconnaît pas son obligation, hein, il est kafir, mais s'il reconnaît son obligation mais il ne la fait pas, il est kafir aussi. Ou bien, il n'est pas kafir, pardon. Ouais. Il n'est pas kafir, je me suis mélangé. Bon, ça c'est l'exemple de khilaf dans les questions qui ont rapport avec des ijtihadats basés sur des textes, et malgré ça, on ne voit pas qu'il y a eu, entre ceux qui disent qu'il est kafir et ceux qui disent qu'il n'est pas kafir, il n'y a pas eu de dispute
de guerre, de division, de secte ou autre chose en se basant sur cette question-là. Parce que c'est une question sur laquelle il y a la divergence. Hein. Il y en a des ulama, par exemple, qui disent que quand tu récites Al-Fatiha, tu dois réciter Bismillah ar-Rahman ar-Rahim avant de lire Al-Fatiha à haute voix. Et il y en a d'autres qui ont dit non, tu ne dois pas réciter Bismillah ar-Rahman ar-Rahim à haute voix. Et il y en a d'autres qui disent que si le ma'moun qui si quelqu'un prie derrière l'imam, il doit réciter Al-Fatiha. Et il y en a d'autres qui disent non, il la récite si c'est une salat sirriya, et si c'est une prière qui est récitée à haute voix, il la récite pas. Ou bien il attend après que l'imam est terminé, entre le temps qu'il termine et qu'il commence une deuxième surah, il récite entre les deux, ou bien entre les silences de l'imam pendant qu'il récite Al-Fatiha ou d'autres. Donc il y a divergence, et il n'y a personne qui a dit « Ah, vous, on vous parle plus, vous êtes des mubtadi'ah, vous avez décidé ça. » Pourquoi? Parce que c'est basé sur des preuves et des adillah et des textes. Il n'y a pas de raison de se détester ou de se repousser à cause de ces choses-là. Sauf que dans les fondements et dans les questions de base, dans l'aqidah et dans les questions de usul, et dans les questions d'ijma, il n'y a pas de permission pour diverger dans ces questions-là. Et même s'il y a des divergences, ces divergences-là ne sont pas des excuses ou des prétextes pour continuer à suivre la position qu'on veut suivre. Et c'est ça ce que beaucoup de musulmans aujourd'hui ne comprennent pas, et il y en a qui font pas de distinction entre ces deux catégories de divergences-là. Et ils jouent avec l'ignorance des gens pour les manipuler, hein, et ils rendent des questions qui ont rapport avec les fondements, et ils essaient de dire « non, ça c'est des questions secondaires, et on a le droit de diverger là-dedans ». Non, les questions de usul, il faut pas les mettre dans les questions de furu', et les questions de furu', les faire devenir usul, et puis tu joues avec la religion de cette façon. Ça c'est très dangereux. Donc le cheikh il dit « فإن المسائل الشرعية المتنازع فيها نوعان النوع الأول لا ينكر ولا يعنف فيه على القائل ولا يلزم بتركه أما القول نفسه فللمجتهد المخالف أن يبين ضعفه وكونه مرجوحا هذا النوع هو المسمى عند العلماء بالمسائل الاجتهادية وهو كل قول لم يخالف إجماعا أو سنة ظاهرة صريحة والنوع الثاني ينكر ويعنف فيه على القائل ويلزمه من له ولاية بتركه والقول نفسه يرد ويبدع وهذا النوع هو المسمى عند العلماء بالمسائل الخلافية وهو كل قول يخالف إجماعا أو سنة ظاهرة صريحة. أوكي. Donc le cheikh il dit que les questions dans lesquelles il y a eu des divergences dans la charia sont de deux catégories. Les points sur lesquels il y a des divergences dans la charia sont de deux catégories. La première catégorie, s'il y a une divergence dans cette catégorie-là, on va pas, on va pas rejeter la personne, et on va pas non plus agir avec lui ou le réfuter de façon violente et dure et agressive, non. Et on va pas non plus le forcer à abandonner sa position nécessairement. Mais la parole elle-même, si le mujtahid qui n'est pas d'accord avec sa position, eh ben il va clarifier la faiblesse de la position de cette personne. Et il va essayer de lui montrer que cette position-là, elle est incorrecte. D'accord? Donc c'est ça. C'est dans les questions d'ijtihad, s'il y a eu des divergences entre les ulama, même si, disons que le mujtahid, ils ont le droit de diverger dans ces questions-là par rapport aux différentes positions, ça ne veut pas dire que on va pas le réfuter ou que le savant va pas le réfuter ou le corriger par rapport à ce qu'il croit lui être la bonne position. Non, il va quand même le réfuter et montrer à l'autre la faiblesse de sa position selon les arguments qu'il possède, selon les preuves qu'il possède du Coran et de la Sunna,
mais sans utiliser la violence et sans faire de la violence verbale ou la violence dans le style de la réponse. Hein. C'est-à-dire, il ne va pas lui répondre d'une façon agressive et le, disons, l'attaquer dans sa réponse. Non, il va lui répondre avec, disons, l'épreuve sans utiliser ce style de qu'on utilise habituellement envers les mubtadi'a. D'accord? Il va lui répondre dans le respect, dans les limites des règles de l'islam. Hein. Parce que c'est une question sur laquelle il a divergé sans que ce soit en contradisant, sans que ce soit quelque chose qui va en contradiction avec un ijma, un consensus, ou bien une sunna qui est claire et apparente. D'accord? Donc ça c'est qu'est-ce qu'on appelle, dans le langage des ulama, les questions d'ijtihad. Les questions d'ijtihad, c'est ça. C'est toute parole ou position qui n'est pas en contradiction avec un consensus des salafs, des sahaba, et qui n'est pas en contradiction avec une sunna authentique et claire et évidente. Donc toute personne qui a divergé sur une question avec d'autres ulama, mais dans cette divergence-là, il ne va pas en contradiction avec un consensus, et il ne va pas en contradiction avec un texte clair parmi les ahadiths qui sont authentiques et qui sont apparents dans leur signification, dans ce cas-là, on dit que ça fait partie d'une mas'ala ijtihadiyya. Hein, ça fait partie des questions d'ijtihad. Et l'ijtihad, c'est quoi? C'est le savant qui a atteint un certain niveau de connaissance et de science dans l'islam, qui possède les outils nécessaires pour faire l'analyse des textes et extraire des textes, des verdicts hein, légaux dans la charia, en se basant sur des principes et des fondements, et qui donc fait un effort hein, pour arriver à connaître ce verdict-là, parce que yani, disons, il n'a pas justement, il n'y a pas de texte clair et évident sur la question. Hein. Donc ça nous indique un petit point aussi, c'est que dans les questions d'ijtihad, c'est uniquement les questions sur lesquelles il n'y a pas de texte clair et il n'y a pas d'ijma. S'il y a un texte clair et une ijma sur un sujet en particulier, il est interdit de faire des ijtihad là-dessus. Hein, ça c'est quelque chose aussi que certains ne prennent pas en considération. Pour eux, la question d'ijtihad c'est très 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 large et très très vaste. Allez, tu peux rentrer dedans puis déclarer quelque chose comme tu veux, tu fais l'ijtihad de n'importe quoi, n'importe comment. Hein. Donc ça c'est très grave et très dangereux aussi. L'ijtihad, s'il y a des textes clairs, tu ne peux pas faire l'ijtihad. Et la même chose pour la Shura. Il y en a qui rentrent la Shura, puis qui disent, bon, ça y est, c'est la démocratie, tout le monde, pluralisme, multipartisme, etc., le vote et tout, hein, la laïcité, et tout rentre là-dedans, hein, Shura. Hein. Alors que dans Shura, c'est uniquement, tu as le droit de faire des consultations sur des choses sur lesquelles il n'y a pas de texte clair. Et des questions sur lesquelles il n'y a pas de texte du Coran et de la Sunna ou une ijma sur ce sujet-là. S'il y a une ijma ou un texte clair et apparent et évident, on n'a plus le droit de faire de choix. C'est interdit par la suite. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y en a qui ouvrent la porte à plein d'autres choses en utilisant cet argument-là et qui permettent des choses qui sont interdites par des centaines de textes authentique et clair sur ces différentes questions-là, et qui les mettent de côté et qui ferment les yeux comme s'ils n'existaient pas. Donc ça c'est grave et c'est très dangereux comme on a dit. La deuxième catégorie de divergence, c'est la divergence dans laquelle si quelqu'un diverge, on va lui répondre avec dureté et avec agressivité dans notre façon de le faire, et on va lui forcer, hein, c'est-à-dire s'il y a quelqu'un qui a une position d'autorité, eh bien il aura le droit, le dirigeant dans ce cas-là, il aura le droit d'imposer à celui qui a cette position-là de l'abandonner et de la quitter, hein, par la force même si c'est nécessaire, ou bien par une punition quelconque, soit l'emprisonnement ou autre. Et
Et la parole elle-même, l'idée ou la pensée elle-même, on déclare qu'elle est bid'a et on la réfute. On n'a pas de respect, la karama, hein, pour cette idée-là, parce que elle est contradictoire avec une ijma ou bien avec un texte du Coran ou de la Sunna authentique et clair et apparente dans sa signification. Hein. Et ça, c'est des questions qu'on appelle les questions al-khilafiyya, al-masa'il al-khilafiyya. Ce sont les questions sur lesquelles, ce sont des points sur lesquels il y a des divergences entre les ulama, ou bien entre les gens en général, même s'ils ne font pas partie nécessairement des ulama. Parce qu'il y a plein de gens aujourd'hui qui divergent dans plein de choses alors qu'ils ne sont même pas des ulama et leurs divergences ne sont même pas en réalité calculées. Hein. Les divergences qui sont calculées, c'est celles qui existent entre les ulama. Et donc on a dit ici, donc ça c'est les questions sur lesquelles il n'y a pas d'ijma ni de texte clair, apparent, ça ce sont les questions sur lesquelles quelqu'un a divergé et qui, dans laquelle il est en contradiction avec un ijma et un texte ou un hadith apparent. S'il a divergé sur un ijma ou un texte authentique apparent, et bien là on va le réfuter, hein, on va montrer la fausseté de ce qu'il dit et l'égarement de ce qu'il dit, et on va lui répondre avec dureté, en particulier s'il persiste sur son idée et qu'il refuse de revenir à la vérité, d'accord. Donc ça c'est un exemple à ce sujet-là. Donc il y a des gens qui mélangent aussi entre les termes comme Jumhur et Ijma. Jumhur et Ijma c'est deux choses différentes, il y en a qui ne font pas la distinction. Al-Jumhur ça veut dire la majorité, et en particulier quand on dit par exemple Al-Jumhur, c'est on parle en particulier des quatre imams des mazahib. Donc si par exemple il y a un imam qui a eu une position, puis trois autres qui ont eu une autre position sur la question, on va dire le Jumhur c'est les trois, et celui qui tout seul il a contredit le Jumhur. Hein. Mais c'est pas ça un ijma. Il y en a qui pensent que si les quatre imams des madahib ont dit quelque chose sur une question, ça veut dire que c'est un ijma. Non. Peut-être que les quatre imams des quatre madahib peuvent se mettre d'accord sur une chose, et c'est pas un ijma. Parce que l'ijma qui compte, c'est celle qui est à l'époque des Sahaba. Hein, parce que à l'époque des Sahaba, déjà les Sahaba, en tant que Sahaba, s'ils sont tous d'accord sur quelque chose, ils sont considérés comme étant infaillibles dans cette question-là. Et Allah nous a ordonné de les suivre dans ces questions-là. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: La tajtami'u ummati ala dalala. Ma Umma ne va pas se mettre d'accord sur les garments. Donc, c'est de ça qu'il parle, il parle des Sahaba. Les frères, ils sont donc là, ils sortent du travail, je comprends. Moi, j'ai pris un bon café là, ça y est, je suis réveillé au max. Tayyib, Inch'Allah. Donc, est-ce que c'est clair, les deux catégories de divergence? Et ça c'est des questions sur lesquelles il y a peut-être des différences de position au sujet des tabi'in, d'accord, mais la position sur laquelle il n'y a aucune divergence, c'est celle des Sahaba, l'ijma des Sahaba. Il y en a qui ont dit que l'ijma aussi ça peut être à n'importe quelle époque, toutefois c'est certain que c'est plus difficile à vérifier, parce que l'ijma qui est arrivé par la suite, comment tu peux faire pour savoir si vraiment tous les ulama d'une certaine époque sont tous d'accord sur une chose? Peut-être qu'il y a plein d'ulama dont on n'a pas eu l'opinion et qui ont divergé sur une question. Donc on ne peut pas considérer vraiment que c'est une ijma. Hein. Et parfois, c'est comme par exemple à l'époque de l'imam Ahmed, quand il y a eu la fitna de Khalq al-Qur'an, beaucoup de monde ont accepté de dire la parole de Khalq al-Qur'an, que le Qur'an est créé, alors que c'est contraire à la vérité. Et c'est pour ça qu'on a dit que al-Jama'a, à cette époque-là, la Jama'a c'était l'imam Ahmad, parce que c'est lui qui s'est accroché à l'Haqq. C'est pour ça que Abdullah ibn Mas'ud l'a dit, de suivre la Jama'a, c'est d'être sur la vérité, même si tu es tout seul. Hein, dans ces questions-là. Mais non, c'est ça le jama'a, de suivre la vérité du Coran et de la Sunna, même si tu es tout seul. Donc, bien entendu, les textes passent avant tout. D'accord? Et la question de ijma'a, puis la question de tous les détails, quand est-ce que c'est accepté ou non, ça,
ça, vous les trouvez dans les livres de Usul al-Fiqh. D'accord? Et il y a un chapitre dans les livres de Usul qui s'appelle Al-Ijma et qui détaille les conditions et les règles qui ont rapport à cette question-là. Et les divergences entre les ulama, si vous retournez par exemple à des livres comme, vous allez trouver dans des petits livres pour les débutants, comme Al-Waraqat. Al-Waraqat, c'est peut-être le plus simple, le plus résumé, c'est de l'imam Al-Juwayni et l'imam Al-Haramain. Il est très simple et c'est ça que la plupart des ulama commencent en premier, ils commencent à enseigner ça. Puis après, il y a des shurouh de ce livre-là. Okay? Et il a écrit, il a été aussi mis en poème. Par exemple, Al-Imriti, puis il y en a aussi un cheikh de la Mauritanie qui l'a mis en poème aussi, pour le mémoriser. Et c'est très, très bénéfique aussi. Et après, il y a le shurouh de ces livres-là. Le shurouh de Al-Waraqat. Il y en a des plus simples par un cheikh qui s'appelle Abdullah Al-Fawzan, Abdullah bin Salih Al-Fawzan, qui a écrit un shurouh. Qui est plus simple, et il y a aussi le sharh de Cheikh, non c'est pas un sharh, mais c'est le livre du Cheikh Ibn Uthaymeen, Al-Usul min Ilm al-Usul, puis il y a aussi, ce livre-là est très bien, il y a des cassettes aussi qui vont avec, et il y a Rawdatul Nazir wa Jannatul Munazir, c'est un livre de Usul al-Fiqh par l'imam Qudama qui est un petit peu plus avancé, puis il y a les shurouh de ça, puis en tout cas, vraiment, c'est là-dedans que vous allez trouver. Puis il y a un livre qui est vraiment bien, si vous voulez savoir, le livre c'est, ça s'appelle Al-Faqih ou Al-Mutafaqih de l'imam de Al-Khatib Al-Baghdadi. Et ça, dans ce livre-là, vraiment, mashallah, c'est un livre qui parle de usul, mais en ramenant les athars des salafs et les ayats et les hadiths. Et vraiment, il est bénéfique ce livre-là, c'est un des meilleurs livres, si vous voulez savoir comment apprendre le fiqh. Selon la façon des salaf et tout, et il parle de usul et des questions de usul. Donc dans ce livre-là, mashallah, il est très bien. En tout cas, ça c'est juste pour faire comprendre que il y a des gens aujourd'hui qui parlent de ces questions-là et qui veulent essayer de faire croire aux gens qu'ils savent de quoi ils parlent quand ils parlent de ces questions-là. Toutefois, quand on retourne au livre de usul al-fiqh et qu'on regarde comment les salaf et les ulama en ont parlé, on voit que ces gens-là, ils jouent avec la religion. Et qu'ils ne prennent pas du tout de façon sérieuse les règles de usul que les ulama ont établies. Ils essaient de ils les lancent aux gens comme ça pour les éblouir par des termes et des mots pour montrer qu'ils ont une connaissance de ces choses-là. Et la plupart des gens à qui ils s'adressent souvent, c'est des gens qui n'ont pas étudié de façon approfondie ces points-là. Et donc les gens se laissent comme disons tromper de cette façon-là. Parce qu'ils vont pas malheureusement aller vérifier dans les livres de usul pour aller voir est-ce que c'est vrai ce que ces gens-là racontent, est-ce que c'est vrai ce que ces gens-là disent. Hein? Ils vont juste accepter, ils avalent tout. Hein? Ils se font citer des noms de ulama et des noms d'auteurs et tout comme ça, sans jamais aller vérifier. Donc moi je vous dis, allez retourner aux livres, allez retourner aux paroles des ulama, allez vérifier vous-même quand vous entendez quelque chose pour voir est-ce que c'est vrai ce que cette personne-là raconte, est-ce que c'est vrai ce que cette personne-là dit. Ou bien c'est juste parler comme ça. Hein? Puis là, vous allez voir réellement qui dit la vérité et qui dit des mensonges. Retournez au Sahih al-Bukhari, retournez au Sahih Muslim, retournez aux livres. Quand vous voyez des livres et qui vous montrent en bas de page des références, allez voir tel livre ou telle chose, allez vérifier. Parce que des fois, en allant vérifier, vous allez voir que la personne a mal transcrit la parole ou a fait une erreur, ou bien il a mal compris, ou il a mal interprété, beaucoup de choses comme ça. Donc vérifiez les informations, ça c'est très important. Après le cheikh il dit, « Qala ibn Muflih al-Hambali, il dit, « Wa qala ay ibn Taymiyyah fi kitab butlan al-tahlil, qawluhum wa masail al-khilaf la inkara fiha, laysa bi sahih, fa inna l'inkar imma an yatawajjaha إلى القول بالحكم أو العمل. أما الأول فإن كان القول يخالف سنة أو إجماعا قديما وجب إنكاره وفاقا، وإن لم يكن كذلك فإنه ينكر، بمعنى بيان ضعفه عند من يقول المصيب واحد وهم عامة السلف والفقهاء. أما العمل إذا كان على خلاف سنة أو إجماع وجب إنكاره أيضا بحسب درجات الإنكار
كما ذكرنا من حديث شارب النبيل المختلف فيه. وكما ينقض حكم الحاكم أو ينقض حكم الحاكم إذا خالف سنة، وإن كان قد اتبع بعض العلماء، أما إذا لم يكن في المسألة سنة ولا إجماع وللاجتهاد فيه مسار، فلا ينكر على من عمل بها مجتهدا أو مقلدا، وإنما دخل في دخل اللبس في وإنما دخل هذا اللبس من جهة أن القائل يعتقد أن مسائل الخلاف هي مسائل الاجتهاد، كما اعتقد ذلك طوائف من الناس. والصواب الذي عليه الأئمة أن مسائل الاجتهاد ما لم يكن فيها دليل يجب العمل به وجوبا ظاهرا، مثل حديث صحيح لا معارض له من جنسه، فيسوغ إذا عدم ذلك الاجتهاد لتعارض الأدلة المقاربة أو لخفاء الأدلة فيها. Donc ça c'est une citation qui est tirée de du livre Al-Adab al-Shar'iyya de l'imam Ibn Muflih. Et il cite les paroles d'Ibn Taymiyyah dans son livre Butlan al-Tahlil. Ibn Muflih al-Hanbali, si je ne me trompe pas, c'est un élève d'Ibn Taymiyyah ou un élève d'Ibn al-Qayyim, un des deux. Hein. Il a un livre qui s'appelle Al-Adab al-Shar'iyya, qui est un livre en trois volumes, qui est publié, qui est très très bénéfique. Puis il a un autre livre qui s'appelle aussi Al-Furu' d'Al-Fiqh. Et il cite souvent les paroles et les positions de l'imam Ibn Taymiyyah dans ses livres. Et il a le livre, donc il cite du livre Ibtal al-Tahlil, okay, d'Ibn Taymiyyah. Donc il dit que Ibn Taymiyyah a dit dans ce livre-là, Butlan al-Tahlil, qawluhum, la parole de ceux qui disent, parce qu'il y a des gens qui mentionnent ça comme étant une règle. Ils disent, les questions de divergence, la inkara fiha. C'est-à-dire, quand il y a des divergences, on n'a pas le droit de rejeter ou de dénoncer, ou de réfuter quelqu'un dans les questions dans lesquelles il y a des divergences. Et cette idée-là, ou cette règle-là, en fait, elle est fausse. C'est ça que Nthémia explique ici. C'est qu'en réalité, il faut détailler dans cette question, dans cette règle-là. C'est pas vrai que tu peux pas dénoncer ou rejeter ou refuter quelqu'un lorsqu'il y a une divergence. Souvent, vous allez voir des gens comme ça. Hein, tu parles avec quelqu'un qui fait quelque chose qui est haram, ou que toi t'as appris que c'était haram. Et donc tu vas aller voir la personne et tu lui dis, ya akhi, ça c'est haram. Il va te dire, ya akhi, ikhtalaf al-ulama. C'est-à-dire, il y a des divergences. Comme si le fait qu'il y ait une divergence, c'est une preuve de la permissibilité de la chose. Et ça, c'est incorrect. La divergence n'est pas une preuve de la permissibilité d'une chose. D'accord? Et donc, il faut rentrer plus dans les détails pour comprendre de quelle façon cette règle, elle n'est pas vraie de façon absolue. Il y a des fois que oui, elle est vraie, mais il y a des fois elle n'est pas vraie. Et il faut savoir distinguer entre les deux cas. Et si vous avez bien compris les deux catégories qu'on a mentionnées au début, ben déjà vous avez déjà la réponse comment distinguer entre les deux situations ou les deux cas. Hein? Donc il faut voir. Donc il y a des gens qui vont inventer des divergences parfois. Et ça aussi c'est dangereux. Des fois sur des questions il n'y a pas de divergence, mais eux ils en ont inventé une. Parce que par exemple, il y a un savant ici, maintenant au XXe siècle, qui a dit que quelque chose était halal, donc il dit, ah, il y a une divergence. Mais c'est qui avant lui qui a divergé sur cette question-là? C'est ça, là, c'est peut-être qu'il n'y a personne qui a divergé avant lui. C'est lui le premier qui est venu avec cette divergence. Hein? Donc, si tu regardes, des fois sur certaines questions, tu regardes, tous les sahabas, ils ont dit une chose. Tu regardes dans les livres de tafsir sur un verset, ils ont tous dit la même chose sur une question. Et là, il y en a un qui arrive au XXe siècle, hein, et là qui dit, ah, il y a une autre compréhension à ce verset-là. Mais d'où est-ce qu'elle vient cette divergence-là? Il est allé les chercher dans les tafsirs des gens bid'a,
comme les Mu'tazila et d'autres, ou les Soufia, et il vient avec cette idée comme si elle est une position valable chez les ulama, et ils disent, ah, il y a une divergence. Non, il n'y a pas de divergence. Retournez à Tafsir al-Tabari, Ibn Kathir, al-Qurtubi, et les autres imams de Tafsir, et ceux qu'ils mentionnent dans ces Tafsirs-là, comme Ibn Abbas, Mujahid, Ibn Mas'ud, et Atta ou As-Suddi, et les autres imams de Tafsir qui sont mentionnés dans les Tafsirs anciens, et vous trouvez qu'ils ont tous dit presque la même chose. Et s'il y a des divergences, c'est des divergences, comme on appelle, Ikhtilaf al-Tanawwu. Il y a aussi cette divergence-là. Ikhtilaf al-Tanawwu ou Ikhtilaf al-Tabat. Ikhtilaf al-Tanawwu, ça veut dire une divergence dans la sorte. Une sorte disons, c'est une divergence qui dit par exemple, ok, ça peut être celle-là, ou celle-là, ou celle-là, mais il n'y a pas de contradiction entre les différentes interprétations. Parce qu'elles ont toutes la même signification au fond. Comme par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala dit, وَعَتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Accrochez-vous tous au câble d'Allah et ne divergez pas. Ne vous divisez pas. Quand tu regardes les tafsirs, il y en a des sahaba, il y en a des ulama qui ont dit, ça veut dire, le câble d'Allah, ça veut dire le droit chemin. Il y en a qui ont dit, le câble d'Allah, ça veut dire le Coran. Il y en a d'autres qui disent, le câble d'Allah, ça veut dire la sunna. Il y en a d'autres qui ont dit, le câble d'Allah, subhanahu wa ta'ala, ça veut dire le Coran et la sunna. Hein? Et dans toutes ces significations, elles sont toutes vraies, et elles sont toutes bonnes. Et elles se complètent l'une l'autre. Donc c'est ikhtilaf tanawwu. Il n'y a pas de contradiction. Mais l'autre catégorie d'ikhtilaf qui est ikhtilaf al-tabat, ça c'est quand il y a des contradictions entre les divergences. Et là, c'est une divergence qu'on ne peut pas accepter. La première, ikhtilaf al-tabat, on peut l'accepter parce qu'il n'y a pas de contradiction. Mais ikhtilaf al-tabat, elle est impossible dans la charia. Et il y en a qui veulent supporter, essayer de défendre cette catégorie de divergence-là dans la charia. Et ça, c'est complètement rejeté. Hein? Parce que deux positions contradictoires ne peuvent pas être vraies en même temps. Hein? Donc ça c'est un point important à mentionner en passant. Donc, dans le tafsir et de façon générale aussi. Une divergence, s'il y a une divergence dans le tanawwu, par exemple, comment je pourrais vous le dire? Ok, dans un hadith, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand les sahaba décrivent la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y en a qui décrivent que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lève les mains dans le takbir à l'ihram, il lève jusqu'aux oreilles. Et dans un autre hadith, on décrit qu'il lève jusqu'aux épaules. D'accord? Donc, ça on peut dire que c'est ikhtilaf tanawwu. Hein? Parce qu'il a fait les deux peut-être. Dans ce cas-là, s'il a fait les deux, on a le droit de faire les deux. Ok? Mais si on donc ça c'est un exemple de ikhtilaf tanawwu. Mais si on voit un hadith qui dit par exemple des choses qui sont une chose qui est d'une façon que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait et l'autre qui est contradictoire, on va dire ça c'est ikhtilaf tabat et c'est impossible. Dans ce cas-là, on va essayer de comprendre d'où vient cette divergence-là et il y a des règles que les ulama ont établies pour justement arriver à réconcilier ces choses-là lorsqu'il y en a. Des cas comme ça, de différentes façons, avec une méthodologie bien précise et bien claire. Et ça, encore une fois, c'est dans les livres de Usul al-Fiqh que vous le trouvez. Usul al-Fiqh, c'est très important, si on veut vraiment comprendre bien l'islam. Hein. Et un des premiers imams qui a écrit sur ce sujet-là, c'est l'imam Shafi'i. C'est pas lui qui a inventé cette science, comme certains s'imaginent. Il n'a pas inventé, c'est le premier qui l'a rassemblé, hein, et qui a écrit un livre sur ce sujet-là. Mais la science elle-même, de Usul al-Fiqh, elle existait déjà dans le Coran, dans la Sunna et dans la compréhension des Sahaba. Sauf que lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a rassemblé un livre là-dessus justement pour éviter que des gens rentrent et commencent à jouer avec le Coran et la Sunna et faire des ijtihadats sans aucun ilm et sans fondement. Après lui, il y a d'autres ulama qui ont écrit dans ce domaine-là aussi. Donc c'est juste pour vous faire comprendre à ce sujet-là. Donc le chef ici, il dit donc, mais ça, elle est entrée là, ok. C'est pas vrai que les questions de divergence, on n'a pas le droit de réfuter ou de rejeter la position de celui qui a divergé dedans.
Parce que quand on rejette une position ou on dénonce une position, on fait une inkar, hein, on rejette une position, eh ben soit que c'est rejeté vers la position ou la parole elle-même, ou bien une action, soit que c'est une parole ou une action, d'accord. Si c'est la première, si c'est une parole qui est en contraire avec une sunna ou une ijma qui est ancienne, alors dans ce cas-là, c'est obligatoire de la dénoncer et de la rejeter, et il n'y a pas, disons, tout le monde est d'accord là-dessus, hein. Il faut la dénoncer si c'est en contradiction avec une sunna ou un consensus. وإن لم يكن كذلك فإنه ينكر. Mais si c'est pas en contradiction avec une sunna ou une ijma, même à ça, on va quand même le dénoncer en montrant que celui qui a divergé sur cette question-là, sa divergence, elle est faible. Et que la position qui est correcte, ça ne peut qu'être une seule position. Ok? Et ça, c'est par rapport à ceux qui disent que la seule vérité, que la vérité, elle n'est qu'une seule. Ou qu'il ne peut qu'y avoir une seule vérité quand il y a divergence. Et ça, c'est la majorité des salafs et les fuqaha, ils disent ça. Hein. Parce que même comme j'ai expliqué tout à l'heure, même les savants, quand ils divergent sur une question, ils croient que la position qu'ils adoptent, eux, ils la prennent parce qu'ils croient qu'elle est la meilleure et qu'elle est la plus proche de la vérité. Ils ne vont pas juste choisir au hasard, pile ou face, quelle position ils prennent, ou ils ne vont pas choisir selon leur passion. Hein. Ça, c'est pas vrai. Il y en a qui pensent ça. Il y en a qui pensent que il faut choisir la position par rapport à notre intelligence et par rapport à la réalité, soi-disant, de la société dans laquelle on vit, celle qui s'adapte le plus à ce qu'on aime et ce qui nous fait plaisir. Non. D'accord? Mais il y en a qui changent de discours. Une fois, ils disent ça, puis dans une autre question, ils vont dire non, ils sont plus stricts. Et donc, ils changent d'une fois à l'autre, ou selon l'audience à qui ils s'adressent. Hein. La règle, elle est une et elle ne change pas. Donc, le cheikh, il dit, en ce qui concerne les actions, si l'action elle-même, elle est en contradiction avec une sunna claire ou une ijma, alors dans ce cas-là, c'est obligatoire aussi de la dénoncer. Selon les degrés de dénonciation ou de rejet de cette action, le cheikh dit, comme on en a parlé lorsqu'on a parlé du hadith au sujet de celui qui buvait, qu'on appelle Nabiz. Nabiz, c'est le vin, mais c'est comme quelque chose qui rapporte peut-être plus, ça ressemble peut-être plus au cidre. Allahu a'lam. Parce que Nabiz, c'est une boisson alcoolisée, d'une certaine façon, qui est fait avec des dattes, hein, je pense que c'est ça, ou sous forme de, c'est ça, ça commence à fermenter, donc c'est ça. Il y en a parmi des fuqaha qui ont permis ça dans la région de Koufa, et ils étaient connus pour ça. Et donc, on a calculé ça parmi ce qu'est-ce qu'on appelle al-zallat, al-zallatul alam, on dit souvent zallatul alam. Et il y en a qui suivent les erreurs des ulama et qui les cherchent. Et qui prennent les erreurs de chaque ulama, et puis ils disent, ah, il y a un alim qui a dit que ça c'est permis. Il a fait l'erreur, il a dit, ah ben, lui il a dit que c'était permis. Donc je le prends. Soit disant, c'est la parole d'un alim, et donc c'est valable. Et donc, il y en a beaucoup qui jouent avec ça. Ils présentent ça aux musulmans comme si c'est comme ça qu'il faut comprendre l'islam. Un savant a dit quelque chose, donc du fait qu'il l'ait dit, automatiquement c'est acceptable islamiquement. Non! Si sa position, peut-être c'est une erreur, il a contredit, il s'est trompé là-dedans, toi tu le suis dans son erreur. C'est pas valable de suivre un savant dans son erreur. Et si lui il est excusé pour son ijtihad parce qu'il s'est trompé, peut-être qu'il a une hasana, mais t'es pas excusé toi. Lui, il est excusé parce qu'il est mujtahid. Mais toi, lorsque tu as su qu'il a fait une erreur et que tu continues à le suivre dans son erreur, t'es pas excusé.
Tu es dans le péché parce que tu me suis dans l'erreur et tu imites les juifs et les chrétiens qui ont pris leurs moines et leurs rabbins comme des seigneurs en dehors d'Allah, tu prends pas comme des égaux en dehors d'Allah, parce que tu rends halal ce qui est haram alors que tu as la connaissance. Bon, si tu le sais pas, c'est autre chose. Si tu ne sais pas que le savant s'est trompé, là tu es disant que peut-être que là tu vas t'excuser parce que tu le savais pas. Mais du moment que quelqu'un t'informe de l'erreur et qu'il te montre la preuve, tu n'as plus le choix de chercher la vérité et de prendre celle qui est correcte. Ça, c'est important de comprendre ça. Et donc, il dit le cheikh que si un juge a fait un jugement et qu'il a jugé dans une question en se basant sur, ou en décrétant ce qui est en opposition à la sunna, eh bien son jugement est annulé. Son jugement sera annulé. Même s'il a suivi certains savants dans ce jugement-là qu'il avait fait. Même s'il a fait son jugement en se basant sur qu'est-ce qu'un savant avait dit. Hein, son jugement sera annulé parce qu'il a contredit une sunna. Mais le shérif il dit que s'il diverge sur une question sur laquelle il n'y a ni sunna, ni ijma, ni consensus, et qu'il y a possibilité de faire l'ijtihad dans cette question-là, dans ce cas-là on ne va pas dénoncer et rejeter l'action qu'il a fait, qu'il soit mujtahid ou qu'il soit muqallid, c'est-à-dire qu'il soit mujtahid, c'est-à-dire qu'il ait la capacité d'extraire les verdicts des textes directement à cause de sa grande connaissance, ou bien qu'il soit une personne qui n'a aucune capacité de lire et d'écrire, il ne connaît pas les règles de la charia, et donc il suit la fatwa qu'un savant lui demande, qu'un savant lui donne. Donc on ne va pas rejeter cette action-là tant qu'il n'a pas contredit une sunna ou une ijma. Dans ce sens-là. Après, il dit, إِنَّمَا دَخَلَ هَذَا اللِّبْسِ. Il dit, cette mauvaise compréhension-là, d'où est-ce qu'elle vient? Elle vient du fait que les gens n'ont pas fait la distinction entre les questions de divergence et les questions d'ijtihad. Et ils n'ont pas compris que, ou qu'ils ont cru que les deux sont la même chose. Ils ont cru que les questions de divergence sont les questions d'ijtihad. Et c'est faux. Les questions d'ijtihad, ce ne sont pas les questions d'irtilaf. Les questions d'irtilaf, ça peut être des questions d'ijtihad ou non. Tu comprends? Les questions d'irtilaf, ça peut être des questions dans lesquelles on a le droit de faire des ijtihad, et ça peut être des questions sur lesquelles on n'a pas le droit de faire des ijtihad. Donc, les questions de khilaf, al-khilafiyya, masail al-khilafiyya. لا المسائل الخلافية قد تكون اجتهادية وقد لا تكون اجتهادية فهم؟ نعم يعني بفاصل جنرال المسائل الاجتهادية لكثيرون في عطاء ذلك الاجتهاد il va y avoir entre les علماء différentes positions mais il y en a une qui est plus proche de la vérité que les autres ou qui est supporté plus par les preuves que les autres. Hein? Toutefois, les ulama, chacun va se baser sur la preuve qu'il a pour l'établir, mais c'est pour ça que dans ces questions de jihad-là, on n'a pas le droit de se réfuter avec animosité, puis avec, dureté les uns les autres, parce que c'est des questions de jihad. On peut dire à notre frère, par exemple, mon frère, là-dessus, cette position-là, ça c'est pas correct. On a le droit de dire ça, même si c'est une question d'ijtihad, mais en clarifiant et en expliquant avec les preuves, pour essayer de convaincre la personne. Mais si la personne n'est pas convaincue, on va pas dire que t'es muqtadir et t'es égaré et tout. Hein? C'est comme par exemple, le khilaf qu'il y a eu entre Al-Albani, Cheikh Al-Albani et Cheikh Ibn Baz, au sujet de lorsqu'on fait la prière, après le recours, quand on se lève du recours, il y en a qui disent il faut mettre la main droite sur la main gauche sur la poitrine en se relevant du recours. Et Cheikh Al-Albani il a dit non, il faut les mettre en bas, d'accord? Et il dit que de les mettre sur la poitrine, ça n'a pas été rapporté par personne et que c'est une bid'a. Malgré tout, Cheikh Ibn Baz il a
il n'a pas, disons, coupé les liens avec Cheikh Al-Albani et puis dit non, je veux rien savoir, je veux pas parler avec lui et tout, non. Pardon? Non, mais il a répondu, mais d'une façon polie, avec respect, et comme on fait, comme les ulama font entre eux par rapport à Ahlus Sunnah wal Jama'a, hein. Il le bruge. Non. C'est ça, oui, exactement. Donc c'est ça, comme le frère donne l'exemple de Cheikh Mokbel par rapport à bouger le doigt dans la prière, une question sur laquelle il divergeait avec Cheikh Al-Albani. Hein. Et il y a plusieurs questions, comme ça, entre les ulama qui divergent comme ça, par rapport au texte. Hein. C'est une question d'ijtihad, mais il n'y a pas de guerre qui vont s'établir et de divergence et de désaccord puis de combat entre les mu'minines à propos de ça. Hein. Parce que c'est des questions d'ijtihad. On peut être pas d'accord, on peut présenter les arguments et les preuves pour montrer que la position qu'on a trouvée, celle être qui est plus près de la vérité, plus près des preuves, pour convaincre l'autre, mais on va pas aller plus loin que ça. D'accord? C'est ça. Exactement. Le problème, qu'est-ce qui arrive, c'est que souvent, les débutants, quand ils commencent à étudier la science islamique, ils étudient la position d'un alim parmi les ulama, et étant donné que c'est la première position qu'ils ont étudiée, ils s'y accrochent, et ils pensent que toute personne qui fait autre chose que ce qu'il a appris avec ce savant-là, il est dans l'égarement et dans l'erreur. Et il va réfuter avec force et avec dureté, parce qu'il s'imagine que c'est une question sur laquelle on n'a pas le droit de diverger. Et ça, c'est un manque de connaissance. Et c'est la preuve de l'ignorance, en fait. La preuve de l'ignorance de la personne. Hein. Et ces divergences-là, elles arrivent souvent entre des gens qui sont débutants dans la science, ou bien qui n'ont pas de science du tout. Hein. Et qui n'ont pas compris la méthodologie de la divergence entre les ulama. Puis il y a les autres, parmi les gens de Hizbiya et les gens d'Ahwa, qui veulent faire rentrer dans les questions de divergence des questions sur lesquelles il n'y a pas de divergence. Et qui disent, ah, oh, vous les salafis, si quelqu'un ne dit pas comme vous, eh bien vous les réfutez, vous faites de la divergence, alors qu'il y a des savants qui n'ont pas été d'accord avec vous. Hein? Et c'est même pas vrai. Subhanallah, c'est ça le pire. Ceux qui n'ont pas été d'accord avec nous, ce ne sont pas des. Soit que ce ne sont pas des ulama, ou soit que ce sont des gens qui ont divergé dans ce siècle avant ça, il n'y a personne qui a divergé là-dessus. Et même s'il y a une divergence, et ceux qui ont divergé ont contredit un texte authentique et clair, ou une ijma des salafs. Et donc, on a le droit de réfuter avec dureté dans des cas comme ça. Hein? Et eux, ils ne font pas la différence entre ça. Hein? Et donc, ça c'est triste, mais c'est ça ce qui se passe. Donc, le cheikh il dit que il faut comprendre qu'il y a une divergence, hein, il y a une différence entre les questions de khilaf, les questions de divergence, et les questions d'ijtihad, c'est pas la même chose. Et il y a un groupe, le cheikh il dit qu'il y a certains groupes de gens qui ont pensé que les deux c'est la même chose. Ok? Et qu'est-ce qui est correct? Et c'est la position sur laquelle tous les imams sont. C'est que les questions d'ijtihad, c'est les questions sur lesquelles il n'y a pas de preuves, hein, sur lesquelles on se base pour agir, qui sont claires et apparentes et qui obligent cette action-là. Hein, comme le hadith sahih, qui n'est pas contredit ou opposé par un autre hadith de sa catégorie. Donc, yani. Donc s'il n'y a pas. Si c'est un hadith authentique qui est clair et qu'il n'y a pas aucun autre hadith qui s'oppose à sa signification dans sa catégorie ou dans son degré, et bien dans ce cas-là, on n'a pas le droit de diverger, hein, s'il n'y a pas de texte qui s'oppose à cette preuve apparente ou à cet ijma. فيصور الاجتهاد للتعارض أتيتي نعم إن مسائل الاجتهاد ما لم يكن فيها دليل يجب العمل به وجوبا ظاهرا مثل حديث صحيح لا معارض له من جنسه فيسوه
إذا عدم ذلك الاجتهاد لتعارض الأدلة المقاربة أو لخفاء الأدلة فيها. يعني donc c'est ça, c'est des questions d'ijtihad s'il n'y a pas de texte qui s'oppose à sa signification, ou bien à cause du fait que les preuves à son sujet sont très subtiles et difficiles à comprendre ou à voir. Attendez juste un instant. Ok. Ensuite, le cheikh il dit, وقال أبو المظفر السمعاني أما الضرب الذي يسوغ فيه الاختلاف كأصول الديانات من التوحيد وصفات الباري عز وجل أو عز اسمه وهي تكون على وجه واحد لا يجوز فيه الاختلاف وكذلك فروع الديانات التي يعلم وجوبها بدليل مقطوع به مثل الصلاة والزكاة والصوم والحج وكذلك المناهي الثابتة بدليل مقطوع به فلا يجوز اختلاف القول فيه في شيء من ذلك أما الذي يسوغ فيه الاختلاف فهي فروع الديانات إذا استخرجت أحكامها بأمارات الاجتهاد ومعاني الاستنباط فاختلاف العلماء فيه مسوغ ولكل واحد منهم أن يعمل فيما فيه بما يؤدي إليه اجتهاده. الشيخ الإكسبليكي سيكا لكاتيغوري de divergence au sujet desquels il n'est pas permis de diverger sont comme par exemple les divergences dans les fondements de l'islam et dans les fondements du tawhid et dans les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il dit que ces choses-là sont des choses sur lesquelles on ne peut qu'avoir une seule position et il n'est pas permis à personne de diverger sur ces questions-là. Et le cheikh il dit de même que les branches des questions religieuses qui découlent des fondements qui sont connus, dont l'obligation est connue avec un texte ou une preuve qui est établie et claire, et comme on dit maqtou' bihi, il n'y a pas de doute à son sujet. Donc, comme par exemple la salat, la zakat, le jeûne, le hajj, ou les interdictions qui sont établies par un texte clair, qui est sans équivoque, dans ce cas-là, il n'est pas permis aux musulmans de diverger au sujet de ces questions-là. Ça, c'est des bases et des fondements sur lesquels c'est interdit aux musulmans de diverger. Il y en a qui pensent que les questions des questions de fondement, c'est uniquement dans les ahkam et dans les, par exemple, c'est seulement dans l'aqida, c'est dans la croyance, puis que dans les autres questions de la religion, on a le droit de prendre ou de laisser ce qu'on veut, et qu'il n'y a pas besoin d'avoir, même s'il y a des divergences, c'est pas grave. On n'est pas obligé de les appliquer, ou des choses comme ça. Puis qu'on peut utiliser notre raison pour les appliquer comme on veut. Non, ça c'est pas vrai. Et de juger par autre que la loi d'Allah, ça c'est interdit dans l'islam. De juger par autre que la loi d'Allah, ça c'est interdit dans l'islam. Et ça peut être kufr akbar ou kufr asghar, selon l'état et la situation de la personne. Si elle croit que yani, c'est l'âme égale à la loi d'Allah, ça c'est sûr que la personne qui pense que la loi qui est contraire à la loi d'Allah, la loi faite par un homme, est égale à la loi d'Allah, ça c'est kufr akbar, ça fait sortir quelqu'un de l'islam. S'il croit que l'Église n'est pas supérieure, n'est pas égale, mais supérieure, ça c'est encore pire. S'il croit que la loi faite par un homme est supérieure, ça c'est kufr akbar aussi. Et si elle croit que c'est pas supérieur, c'est pas égal, mais c'est permis, il y a juz, c'est permis de juger par autre que la loi d'Allah, ça c'est kufr akbar aussi, ça fait sortir de l'islam. Parce que tu permets de rendre halal ce qui est haram, ou de rendre haram ce qui est halal. Ça c'est kufr akbar aussi. Mais quelqu'un qui dit par exemple, non, c'est obligatoire de juger par la loi d'Allah, et on le sait, et c'est un péché de faire ça, sauf que yani, la personne elle dit qu'elle est faible, ou qu'elle a peur, ou qu'elle suit sa passion, ou des trucs comme ça, lui il n'est pas kafir. Ça c'est un kufr, d'où la kufr.
Il parle droit de l'islam. Donc ça c'est explication, parce qu'il y en a des gens qui ne distinguent pas et qui pensent que de juger par les lois des hommes et d'accepter la citoyenneté, d'accepter les lois des koufars et de croire en la laïcité, la démocratie, que tout ça c'est des divergences sur lesquelles il est permis pour les musulmans de diverger, de croire en la peine de l'apostasie, la peine de lapidation, que c'est des, il y a eu des divergences soi-disant là-dessus, puis que c'est permis de croire ou de pas y croire, de les accepter ou de pas les accepter, ou de les appliquer ou de ne pas les appliquer, selon notre raison et selon soi-disant la situation. Donc il y a des gens qui mélangent beaucoup là-dessus et qui trompent les autres à ce sujet-là. Bien entendu, on ne peut pas rentrer dans les détails, mais on aura peut-être d'autres occasions de le faire et de clarifier ces choses-là en détail. Donc les fondements et les bases, c'est pas juste les aqidah, même si dans les questions de ahkam aussi, comme la prière, le hajj, les cinq piliers, et aussi les questions de halal et de haram aussi, hein, dans les ahkam. S'il y a des textes clairs dans les règles de la charia, même dans les mu'amalat, s'il y a des textes authentiques, hein, qui obligent de faire quelque chose ou interdisent de faire quelque chose dans les mu'amalat, eh ben, ça, c'est obligatoire de les respecter, de les suivre. On n'a pas le droit de choisir, de prendre ce qu'on aime et de laisser ce qu'on n'aime pas. Ça, c'est pas permis. Donc, ça, c'est très important. Et donc, donc, il n'est pas permis de diverger dans ces choses-là. On n'a pas le droit de diverger dans ces choses-là. Mais, en ce qui concerne les choses sur lesquelles on a le droit de diverger, c'est les questions qui découlent des fondements de la religion. Lorsqu'elles sont tirées par lorsqu'elles sont extraites des règles, hein, et extraites par des formes d'ijtihad, par des analogies, par des efforts des ulama qui extraient les textes, les verdicts des textes en se basant sur l'ijtihad, alors bien entendu dans ces questions-là, c'est sûr que il est permis pour les ulama de diverger sur ces questions-là, parmi les ulama. Et chacun d'entre eux va agir selon ce qu'il considère être la vérité selon son ijtihad. Hein? Il va suivre ce que son ijtihad l'amène à suivre. Wa qala ibn al-qayyim, wa hadha yaruddu qawlu man qala la inkara fi masail al-mukhtalaf fiha. وهذا خلاف إجماع الأئمة ولا يعلم إمام من أئمة الإسلام قال ذلك. C'est une parole très importante de l'imam Ibn al-Qayyim dans l'Imam al-Muwaqqi'i, il dit, et ça, ça réfute la parole de celui qui dit qu'on n'a pas le droit de, disons, de rejeter ou de dénoncer la position de quelqu'un dans les questions de divergence, dans les questions sur lesquelles il y a une divergence. Et ça, c'est en contradiction avec le consensus des imams de l'islam. Et il dit, et on ne connaît pas un seul imam parmi les imams de l'islam qui a dit ça, qui a dit une telle chose. C'est-à-dire qu'il a dit, on ne connaît pas un seul imam parmi les imams de l'islam qui a dit que on ne peut pas dénoncer quelqu'un dans les questions d'ijtihad. Ça, c'est important de comprendre ça. Donc, je me reprends. Il dit, il n'y a pas un imam parmi les imams de l'islam qui a dit on ne peut pas dénoncer ou rejeter une position dans les questions de divergence. Pas dans les questions d'ijtihad, parce que je me suis trompé. Ah oui. Ensuite, il dit, وقال النووي ثم العلماء إنما ينكرون ما أجمع عليه أما المختلف فيه فلا إنكار فيه. ثم قال ولكن إذا ندبه على جهة النصيحة إلى الخروج من الخلاف فهو حسن. Donc le cheikh dit que l'imam al-Nawawi, il a dit dans le charh de Muslim, puis les ulama, ils dénoncent ou ils rejettent uniquement les divergences lorsque c'est une divergence d'un consensus, hein, une question sur laquelle il y a eu une ijma'. Mais en ce qui concerne les questions sur lesquelles il y a d'autres divergences qui ne sont pas en contradiction avec l'ijma ou les textes, et bien entendu, là il ne dit pas le texte, donc il dit, mais l'ijma ça implique aussi les textes par rapport à ce qu'on a lu des autres explications des ulama, et bien il n'y a pas de dénonciation ou de rejet de cette position-là.
Après, il dit, ensuite, il a rajouté, mais si il veut, disons, montrer à la personne qu'est-ce qui est préférable de faire dans le but de lui donner une nasiha et pour sortir de la divergence, parce que là, c'est bien de le faire, et c'est quelque chose de bien de le faire et de le faire avec douceur. Hein, comme par exemple, quelqu'un par exemple qui a vu qu'il y a une divergence entre les ulama sur une question. Par exemple, j'aurais pas d'exemple clair à donner, mais parce que ça me vient pas à l'esprit maintenant, mais c'est que si supposons que il y a une divergence entre les ulama sur une question, et toi tu sais qu'il y a une divergence, puis tu vois que il y a un frère qui fait la position qui prend une position et qui fait quelque chose. Non, ça n'y a pas de divergence. Ouais, ça c'est une divergence. Cheikh Mohamed, qu'est-ce qu'il dit? Ah, ok, ouais. Ouais, ok, c'est ça, ouais. Ouais, c'est ça. Ah, ok. Jamal Zania, fil masjid. Ouais. Non. Allahu a'lam, non. Donc c'est ça. Le cheikh, le frère, il mentionne l'exemple, un exemple, peut-être ça peut être applicable à cet exemple, à ce cas-là. La question de est-ce qu'on peut faire une deuxième jama'a dans la mosquée, lorsqu'il y a un imam établi dans cette mosquée qui prie les cinq prières. Et il y en a qui ont dit que oui, c'est permis, il y en a d'autres qui ont dit que c'est pas permis. Et le chef, il donnerait, l'imam Nawawi dirait comme par exemple, pour éviter la divergence, sortir de la divergence, puis prendre la position la plus sûre, tu dis à la personne, écoute, il y a une divergence, mais qu'est-ce qui est le plus sûr, c'est d'éviter de faire ça, puis de pas faire le deuxième jama'a pour éviter le problème. Et tu le dis à la personne sur le plan de nasiha et avec douceur. Non mais oui, c'est ça. Mais c'est ça. Sur la question de divergence, comme par exemple, on a mentionné l'exemple de est-ce qu'on peut faire une deuxième jama'a dans la prière, dans la mosquée où il y a un imam fixe. Bien entendu, il y a une divergence. Toutefois, quand on retourne aux preuves et aux arguments, hein, c'est ça le plus important. C'est pas la divergence elle-même, mais c'est les arguments. Hein. Donc il y en a qui ont dit oui, c'est permis, ils se basent sur un hadith qui dit ouais, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une fois il était dans la mosquée, il a fini la prière, puis il y a un sahabi qui est arrivé en retard et il a dit à un des autres sahaba, lequel d'entre vous va faire une sadaqa pour ce sahabi, et ils ont prié ensemble, et il y en a qui se basent sur cet exemple-là. Et les ulama qui disent que c'est pas permis, et bien il y en a qui se basent sur le fait que déjà le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa mosquée, il ne faisait pas deuxième jama'a. Ce n'est pas deuxième jama'a. Et l'exemple qu'il donne par exemple par rapport à le sahabi qui est arrivé en retard et qui lui a dit « fais-lui une sadaqa », ça c'est le fait que quelqu'un il arrive et qu'il a quelqu'un qui a déjà prié, prie avec lui. C'est ça, quelqu'un qui a déjà fait la jama'a qui va prier avec lui. Pas quelqu'un qui a deux personnes qui n'ont pas du tout prié avec l'imam et qui commence une deuxième jama'a. Donc ça ne s'applique pas nécessairement à cet exemple-là. Et il y a aussi le fait que, par exemple, il y a des exemples des sahaba qui montrent que certains d'entre eux, lorsqu'ils rentraient dans la mosquée, qui trouvaient que les gens avaient terminé la prière, ils retournaient chez eux. Et ils priaient chez eux. Ibn Mas'ud, et c'est mentionné aussi selon d'autres sahaba également. Et il y a d'autres arguments aussi. D'accord? Donc, bien entendu, on voit que quand on regarde de ce point de vue-là, et quand on regarde les arguments des deux côtés, des ulama qui disent que, ceux qui disent que c'est permis, ceux qui disent que ce n'est pas permis, et quand on analyse les choses par rapport aux arguments et aux preuves, on voit que la position de ceux qui disent que c'est pas permis de faire une deuxième jama'a dans la mosquée dans laquelle il y a un imam fixe est plus forte
que ceux qui disent que c'est pas que c'est permis. Wallahu a'lam. Ah oui, oui, ok. Donc c'est vrai. Il y a un autre argument que le frère a mentionné qui est un argument assez convaincant aussi, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam une fois il a dit que les gens qui ne venaient pas prier à la mosquée, en jama'a, il a dit si ce n'était pas des femmes et des enfants qui sont dans ces maisons-là, j'aurais ordonné à quelqu'un de commencer la prière et moi je serais sorti puis j'aurais ramassé du bois et j'aurais mis le feu à leur demeure. Donc c'est pour montrer que si il y avait la permission de faire une deuxième jama'a, il les aurait excusés, ces gens-là qui ne priaient pas à la mosquée, parce que il aurait pu dire, ben de toute façon, même s'ils n'ont pas prié derrière moi, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait pu dire, ben s'ils ne prient pas derrière moi, c'est pas derrière moi, c'est pas grave, parce qu'ils vont venir plus tard à la mosquée faire une deuxième jama'a, donc ils vont quand même avoir la jama'a. Et parmi les arguments aussi qui ont été expliqués par les ulama, c'est que lorsque les gens prennent ça comme ça, du fait de dire que bon, on peut faire une deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième jama'a, ah ben c'est pas important d'attraper la première, puisque tu peux faire un nombre infini de jama'a par la suite, et pour eux, ils pensent que ça a toute la même valeur. Et il y a des ulama qui ont expliqué que le hadith qui dit que la prière en jama'a, elle vaut 26 fois plus que la prière tout seul, il y a des ulama qui ont dit ça c'est uniquement pour la première jama'a, et non pas pour les jama'as que les gens vont faire par la suite, une à la suite de l'autre. Il y a des mosquées comme ça, où il y a un imam fixe, et que par la suite, il y a des groupes de personnes qui arrivent en retard, comme si rien n'était, hein, et qui ne considèrent même pas qu'ils ont manqué quoi que ce soit, hein, de la récompense, et ils arrivent comme si rien n'était, ils font des jama'as comme ça. Même des fois, il y a plusieurs jama'as en même temps, dans la même mosquée, qui sont en train de se faire. Donc c'est un exemple de la contradiction de la sunna. Et de toute façon, un point important aussi à mentionner à ce sujet-là, c'est que si quelqu'un est arrivé en retard, mais qu'il a été empêché par quelque chose qui était hors de son contrôle, mais qu'il avait l'intention d'atteindre et d'arriver à la mosquée pour faire la jama'a avec la première jama'a, même s'il ne l'a fait pas en jama'a, il a la même récompense que celui qui l'a fait avec la jama'a, parce que c'est selon son intention. Innama al-a'mal bin-niyyat. D'accord? Donc ça c'est un point important aussi à comprendre. Et exactement, pas besoin de courir pour arriver. Le cheikh dit ensuite « وَمُرَادُ النَّوَوِي بِعَدَمِ الْإِنْكَارِ أَيْ عَلَى الْقَائِلِ أَمَّا الْقَوْلُ فَيُنْكَرُ بِبَيَانِ مُخَالَفَتِهِ لِلدَّلِيلِ كَمَا فِي كَلَامِ ابْنِ الْقَيِّمِ وَشَيْخِهِ » Donc le cheikh dit que qu'est-ce que l'imam al-Nawawi a voulu dire du fait qu'on ne va pas faire la dénonciation ou bien le rejet de l'inkar dans sa parole. Qu'est-ce qu'il veut dire par l'inkar? Il veut dire qu'on va pas faire l'inkar de la personne elle-même qui a eu cette position-là. Toutefois, on va faire l'inkar de sa position, et montrer qu'elle est en contradiction avec la preuve et le texte. Comme ça a été expliqué dans les paroles de l'imam Ibn Qayyim et de son cheikh Ibn Taymiyyah. Et donc ça, c'est très important de comprendre ça. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui. On continuera ça plus tard, probablement pas la semaine prochaine parce que je serai peut-être pas là, mais Allahu a'lam. Donc on reprendra ça lorsque Allah subhanahu wa ta'ala nous permettra, inshallah. Subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayhi.